Hey, salut tout le monde, on n'a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Dufault. Oui. Jean-Michel Dufault, c'est bien ton nom? Oui, parfait, c'est bon. Bonne réponse, un morceau de robot. Jean-Michel, tantôt, on le disait, t'es un gars de gang. Testostérone, vous étiez quatre gars, le Corroberge, quatre gars. Même j'ai su que tu étais en voyage pendant la tempête du verglas avec Stéphane Rousseau, François Morassi et Sébastien Benoît. Dirais-tu que tu es né pour les foursomes? C'est fort, c'est tout un travail de recherche. Quand même, comment t'as vu ça que j'étais que, en 98? Un vrai travail impressionné. Ouais, OK. Bravo. C'est tout. Bien, belle invitation de la Mais je ne joue pas au golf. Je suis pas un golfeur. OK. Grand sportif? Grand sportif, oui. Hockey, tennis, mais le golf, je ne suis pas un grand fan, non. OK. Question Facebook. J'ai posé des questions à mes amis Facebook. Selon toi, qui était le gars le plus drôle de testostérone? Et cette question a été posée par Michel Grenier, l'agent de Mike Ward. Je pense que c'est Mike qui était le plus drôle. Effectivement. Et puis après ça, il y avait... Mais même moi, je suis allé dire que c'était pas moi le plus drôle. Mais après ça, je dirais François. Après ça, je dirais moi. Puis après ça, il y avait Marc pour compléter. Non, je te classe... Oui? OK. Ben en haut de Marc. OK. On le salue d'ailleurs. Salut Marc. Oui. Tu as participé à une émission qui s'intitulait, j'ai vu ça sur YouTube, Personne n'en jase. Comment qu'on se sent d'être l'invité vedette de Personne n'en jase? Explique c'est quoi quand même? Qu'est-ce que c'était? L'as-tu regardé? Oui, Personne n'en jase, c'est un gars qu'on connaît pas avec un sombrero, puis qui est tout content, puis qui capote Jean-Michel, puis il est comme... Comme ça tout le long, parles de voyage. C'est ça, c'était des étudiants de l'Université de Montréal en communication. Ah, OK. Voilà. Ah, voilà. Donc, il y avait une genre d'ironie de la jeunesse qui regarde rire d'elle-même et tout ça. Donc, ça. OK. Personne mais ça t'a pas insulté d'avoir... Non, pas du tout. Ben non, hey, arrête, il faut pas avoir... faut pas être insulté. Si t'es insulté dans ce métier-là et milieu-là, ça va pas bien aller. T'as aussi travaillé avec des filles, on parlait de... Tu vas un peu n'importe où, hein? Ah, on s'en va, on petit vague, là. T'as aussi travaillé avec des filles comme... comme Mitsu, et récemment avec Marcel Michon. Oui. Mitsu, tu as fait des avances il y a... Oui, il paraît, mais moi, j'ai jamais compris ça, honnêtement. Là, c'est pas le monde, mais à l'époque, je voyais pas ça. Je voyais pas ces signes d'avance, là. Pour vrai, là, c'est pas de la... Mais c'est vrai aussi que probablement, même si elle m'avait fait des avances, intimidé par le symbole, le sexe symbole qui était Mitsu, surtout à cette époque-là, j'aurais sûrement rien fait. J'aurais gelé, tu sais, j'aurais, c'est ça. Et si Marc Soleil t'a fait les mêmes avances, mais comment réagirais-tu? Elle est mariée. Elle est mariée, Marie Soleil. Mais si elle t'a fait ces avances-là. je suis un bon gars, mais c'est une fille que j'adore. Parfait. C'est une fille que je trouve, c'est de, comme on dit en anglais, the whole package. C'est une super belle fille, bright, intelligente, allumée, ouais. Voilà, c'est une déclaration. Non. Marie Soleil. Voilà. Mais elle est mariée avec un très bon réalisateur qui est un très bon gars, un gars que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui était régisseur avec moi au début de ma carrière, au milieu des années 90. Donc, elle est mieux avec ce gars-là qu'avec moi. Comme moi, je sortirais pas avec moi-même. Tu sais, comme. Ah ouais, OK. Non, mais tu sais, je suis un bon ami de même. T'es un beau Jack. Voilà. Un beau. Non, mais c'est un bon Jack de même. Là. Bon Jack, moi, j'ai dit beau Jack. As-tu vu comment je m'ouvre à toi? Oui, bien, tu fais bien. On est là. Malgré que tu as une boîte de céréales, c'est quand même. On s'ouvre à la boîte. Hotmail, Crips, c'est moi. Les commanditaires. Une minute. Lors de ton passage à l'émission de Louis-François Marcotte. Merci de faire. Chef Louis, tu parles de tes goûts alimentaires. Je te cite. Pas trop fancy, pas trop moléculaire, pas je vous faire le malin. Donne-moi quelque chose qui est satisfaisant, qui est bon, qui a des saveurs, qui remplit. S'il y a juste un milieu, moi, être content. Dans le fond, une soupe chunky, ça fait un genre d'autres mots. Non, mais j'aime ça bien manger quand même. J'aime ça bien manger. J'aime pas mal manger. J'aime pas aller au restaurant. Ça coûte une fortune, puis mal manger, ça met de mauvaise humeur. Pour vrai, là, c'est comme arrêter là, des blagueurs, il y en a assez. Là. Très bonne réponse. dernière question Facebook. Merci. Oh. Est-ce que tu trouves que la portion des questions Facebook dans mon entrevue était un maillon faible ou un maillon fort? Oh, c'est fort. Il est fort. Je trouve que votre maillon faible, c'est ça. Le reste, quand tu joues, quand tu chantes, ça marche. Le show, il marche. Mais ce bout-là, pour moi... Il marche pas. Toi, tu trouves que ça se défend? Vous trouvez que ça marche? Mais j'accepte ce que tu dis. Moi, je trouve le maillon faible ici, c'est quand toi, tu parles. Moi, je t'aime. C'est correct aussi. Moi, je t'aime. Non, c'est bon. C'était bon, parfait. Comme, je n'ai jamais ta prochaine question. Fait que, c'était le fun. OK. Si on te laisse, toi et Grégory,
dans un octogone, comment ça finit? Moi, je me battrai pas. T'sais, s'il veut m'attaquer, regarde, je vais me défendre. Mais moi, c'est ça. C'est juste, ça a juste fait une tempête dans un verre d'eau, justement aussi beaucoup à cause de Facebook et des médias sociaux. Mais c'est juste, il faut prendre ça avec un petit grain de sel et un petit sourire. Bien, merci d'avoir embarqué dans ma folie, Jean-Michel. Très cool.